Bienvenue à toi dans ce 12e épisode de mon challenge sur la philosophie de l'auteur Louise Hay. Sur les 3 derniers épisodes, nous avons vu comment se libérer des résistances et des blocages liés à la peur, à la culpabilité et à la rancœur. Aujourd'hui, nous nous attaquons spécifiquement aux blocages liés à la critique. Et le super pouvoir que nous allons utiliser pour cela, c'est le non-jugement. Je t'invite à lire l'article complet sur le blog pour mieux comprendre pourquoi l'attitude du non-jugement est la solution pour te libérer du poids de la critique et comment l'adopter de façon réaliste dans ton quotidien. Et dans cette vidéo, je te propose 3 exercices pour 3 façons différentes de t'entraîner à pratiquer le non-jugement de manière fluide et authentique. Donc si c'est bon pour toi, on est parti. Avant de te présenter ces 3 exercices, faisons quelques rappels importants au cas où tu n'as pas lu l'article au préalable. Premièrement, la critique est quelque chose de tout à fait naturel et normal. La critique, c'est simplement l'évaluation que nous faisons d'une personne, d'une idée, d'une chose ou d'une situation, dans le but de formuler un jugement ou une opinion. Et donc, en tant qu'être humain, nous avons cette capacité innée de percevoir les choses, d'évaluer, de formuler des opinions sur tout ce qui nous entoure. Donc, à mon sens, il n'est pas réaliste de chercher à ne plus avoir aucun jugement, parce que ça signifierait ne plus avoir aucune opinion. Et ça, ce serait assez problématique pour interagir avec les autres ou même pour prendre des décisions. L'idée, c'est qu'une critique ou un jugement n'est pas forcément négatif. Une critique peut être constructive et exprimer un jugement qui soit plein d'amour ou de bienveillance. Et c'est donc ce que nous allons chercher à faire en adoptant une attitude de non-jugement, c'est d'apprendre à se détacher des jugements négatifs, c'est-à-dire les jugements qui condamnent, les jugements qui créent de la séparation et qui font du mal autant à la personne qui est jugée qu'à la personne qui juge. Donc maintenant que ces précisions sont apportées, voyons les exercices que tu peux utiliser pour apprendre progressivement à te libérer de tes schémas automatiques inconscients qui créent de la critique négative. Le premier exercice pour pratiquer le non-jugement, c'est celui du jugement en conscience. Je l'ai appelé l'observation curieuse. Ici, on ne va pas chercher à ne pas juger. Au contraire, on va chercher à juger, mais cette fois en ayant un maximum de clés en main. Et il s'agit de clés de compréhension. Parce que c'est ça le fond du problème. Le jugement négatif vient souvent de manque de compréhension de soi-même, des autres et de la complexité des situations. Et pour cela, je t'invite à t'observer en train de juger et à faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit. Et les 2 phrases que tu peux utiliser pour t'y aider sont les suivantes. Premièrement, c'est un point de vue intéressant. Et deuxièmement, quel point de vue différent puis-je avoir sur cette situation? Ces 2 phrases, toutes simples, ont le pouvoir de te faire relativiser. Elles t'aident en fait à nuancer et à adoucir ton jugement. Prenons un exemple pour illustrer cela. Si tu discutes de l'un de tes projets avec un proche qui se trouve être mal luné et qui te répond la phrase suivante. Ouais, de toute façon, tu es toujours un échec, tu ne réussis jamais rien. Bon, tu as alors la possibilité de très mal le prendre, de te disputer ou d'en vouloir à cette personne. Et peut-être même, si tu intègres ce jugement négatif, tu peux commencer à douter de ta valeur, de tes capacités, et donc commencer à perdre en confiance et en estime de toi-même. Ou alors, tu as la possibilité d'utiliser ces 2 phrases. Ok, c'est un point de vue intéressant. Quel point de vue différent puis-je avoir sur cette situation? Alors, à ce stade, soit tu te concentres sur cette personne, et tu cherches alors à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie en ce moment, pourquoi elle est dans cet état, ou soit tu te concentres sur toi. Et tu peux alors progressivement reprendre conscience du fait que non, ce n'est pas vrai que tu ne réussis jamais rien.
Tu réussis à respirer, tu réussis à te réveiller chaque matin, tu réussis à prendre soin de ta famille, tu réussis à accompagner tes enfants de leur scolarité, tu réussis à contribuer dans ton association, etc., etc. Donc, tu vois la puissance de cet exercice. Alors, nous n'avons pris qu'un seul exemple, nous pourrions en prendre beaucoup d'autres, que ce soit des jugements que l'on reçoit ou des jugements que l'on émet. Mais je t'invite à tester par toi-même et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Le deuxième exercice de non-jugement que je te propose ici, c'est l'exercice de compréhension profonde de ce qui se joue en toi. Je l'ai appelé l'exercice du jugement utile. L'idée ici, c'est de tirer des enseignements, des jugements que l'on porte, pour qu'ils soient en fait utiles à notre évolution et à notre épanouissement. Parce que la critique et le jugement sont de précieux messages qui proviennent de notre inconscient. À chaque fois que tu portes un jugement, tu es en fait en train de parler de toi. Tu es en train d'exprimer tes croyances, tes valeurs, mais aussi tes peurs et tes limites. Donc, quand tu veux travailler sur toi-même et te débloquer, ben c'est précisément là où il faut regarder. Et je t'encourage bien entendu à te faire accompagner par un coach professionnel pour le faire efficacement. Mais si tu préfères le faire seul, à travers cet exercice, je t'invite à prendre quelques minutes chaque jour, par exemple en fin de journée, et à noter un jugement négatif que tu as porté sur une chose, sur quelqu'un, ou un jugement négatif que tu as porté sur toi-même. Et à partir de ce jugement que tu auras noté, fais un travail d'introspection en te posant les cinq questions suivantes. Première question, quelles croyances ou quelles valeurs sont à l'origine de ce jugement? Donc, qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes attentes ou mes idéaux qui n'ont pas été respectés dans cette situation et comment puis-je mieux me connaître donc à travers ce jugement? Deuxième question à te poser, qu'est-ce que ce jugement révèle sur mes peurs, mes insécurités ou mes blessures? Donc ici, demande-toi, est-ce que ce jugement fait écho à des expériences passées douloureuses? Est-ce que cela touche un point qui est encore sensible en moi? Comment est-ce que je peux me rassurer ou gagner en sérénité face à ces peurs ou insécurités? Troisième question, est-ce que ce jugement est une projection de mes propres défauts ou de mes propres frustrations? Donc, est-ce que je vois en l'autre ce que je refuse de voir en moi-même, par exemple? Est-ce que ce jugement est une manière de détourner l'attention pour éviter de regarder les choses en face et de me regarder en face spécifiquement? Est-ce que les aspects de cette personne que je condamne à travers mon jugement, est-ce que ces aspects ne sont pas des aspects de moi que je ne m'autorise pas suffisamment à exprimer pour aller de l'avant? Quatrième question, comment est-ce que ce jugement affecte ma relation avec moi-même et avec les autres? Est-ce que cela ne renforce pas des barrières ou ne crée pas des distances avec les autres? Est-ce que ces jugements ne nourrissent pas des sentiments de culpabilité, de colère ou de ressentiment envers moi-même ou envers les autres? Et donc, quelles petites actions je peux faire dès maintenant pour améliorer un peu tout ça? Et enfin, la cinquième et dernière question à te poser, c'est est-ce que ce jugement m'empêche de voir la situation de manière plus nuancée? Ou d'apprécier les qualités et les forces de la personne que j'ai jugée. Tu peux par exemple utiliser l'exercice précédent, l'exercice numéro 1, et chercher à voir comment ce jugement limite ta compréhension et t'empêche de voir les perspectives, les points de vue différents. Est-ce que cela ne t'empêche pas de reconnaître les bénéfices ou les opportunités qui se cachent derrière cette situation? Donc, ces cinq questions puissantes ont pour objectif de t'aider à décrypter tes jugements pour en sortir grandi. Et il est important que tu abordes ces questions avec bienveillance et compassion envers toi-même. Et je t'invite à accueillir chacune de tes réponses comme un trésor, comme le dit Louise Hay. Tu peux remplacer les croyances et les pensées douloureuses qui vont émerger de cette introspection par des affirmations positives et encourageantes, comme nous l'avons vu pour développer l'acceptation et l'amour de soi.
En faisant cet exercice, tu es en train de prendre conscience, de comprendre et de nettoyer les blocages inconscients qui limitaient ton épanouissement jusqu'alors. Et plus tu pratiqueras cet exercice, plus tu t'autoriseras en fait à être librement toi-même et donc à accepter et à accueillir les autres tels qu'ils sont. Et enfin, le troisième exercice pour pratiquer le non-jugement, c'est l'exercice de l'acceptation inconditionnelle. Et je l'ai appelé la simple présence. L'idée ici, c'est de chercher à observer sans jugement. Alors, personnellement, je le fais pendant une durée définie. Je ne sais pas encore le faire non-stop, 24 heures sur 24. Donc, si toi, tu réussis à ne porter aucun jugement, s'il te plaît, dis-le-moi en commentaire. Mais pour commencer, et c'est déjà très bien, je t'invite à pratiquer cet exercice pendant 5 minutes. Tu peux par exemple pratiquer la méditation de pleine conscience en te concentrant sur le moment présent, en observant tes pensées, tes sensations, et ça sans les juger. Laisse-les simplement passer en les acceptant telles qu'elles sont et sans t'y attacher pour les critiquer. Si tu n'es pas encore initié à la méditation de pleine conscience, tu peux simplement choisir de t'installer à la terrasse d'un café ou dans un lieu public et observer. Observer les personnes qui passent, leurs interactions, les différentes situations, et cela sans porter de jugement, sans te faire de commentaires et sans chercher en fait à avoir un avis ou une opinion sur ce qui se passe. Pour y arriver, tu peux t'aider d'une phrase qui me réussit bien, en tout cas que j'aime bien, un mantra, c'est ainsi. Tu observes alors de façon neutre. Tu prends le temps de remarquer les détails. Tu prends conscience de ce qui se passe à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Et tu acceptes simplement que les choses soient ainsi, ici et maintenant. Cet exercice est là encore une forme de méditation en pleine conscience, qui te reconnecte en fait à ta nature spirituelle, qui te reconnecte ainsi à l'amour inconditionnel et l'amour universel. Et voilà trois approches, trois façons différentes d'aborder et de pratiquer le non-jugement au quotidien. Je t'invite à essayer chacun de ces trois exercices et à nous dire dans les commentaires celui qui te convient le mieux. Je t'invite de nouveau à lire l'article complet sur le blog pour aller plus loin si tu le souhaites. Tu trouveras tous les liens utiles en description. Si tu as aimé cette vidéo, laisse-moi un petit like, partage-la, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Merci à toi, c'était Nikkez et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.